Et salut à tous, pardon, pardon, oui c'est bon, le son fonctionne. Ok, donc on se retrouve pour la Terre, bien sûr. Évidemment important, la Terre, tout à fait la Terre. Oui, donc je viens tout juste d'arriver du travail, évidemment, donc j'ai lancé le jeu, le record en catastrophe. C'est l'apostrophe totale, bien sûr, mais... ça va se passer. Ok, bon. Ok, je ne sais pas avec quel team je suis parti, mais let's go. Hein. Enfin, on peut peut-être attaquer lui là. Peut-être. Bon, je ne sais pas. Bon. Très bien, peu importe. Ah, c'est vrai que j'ai. Ok. Mais c'est une option assez offensive avec la Tsunade en P4. Ok, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Ok, ah, Tsunade contre Tsunade, incroyable ça. Alors, on va peut-être remodifier un petit peu la disposition des ninjas si jamais je joue comme ça. Mais histoire de mettre le Meitu, enfin le Meitu en fait plus en... C'est assez étonnant parce que Tsunade, elle est pas sur le même plan. Elle est bien en haut, mais pas de problème, pas de galère. Ok. Allez vite, il faut grimper à l'étage supérieur, donc évidemment j'ai énormément de retard, donc au niveau des coffres, ça risque d'être compliqué. Mais on peut peut-être le faire. Essayer de dénicher les solaires bien sûr. Les ascenseurs, tout ça. Donc on verra. Oh. La Tsunade qui se soigne un petit peu, parfait. Nickel, David Vitali, c'est pas quelqu'un du groupe, donc let's go. Il y a des KO surprises, bon, on s'en sort malgré tout. C'est parfait, ok, il me manque une victoire en plus pour grimper. Ok. On dit ça, d'accord, très bien. Pour le bon sion, il a l'air de se débrouiller comme un chef. Allez hop, on essaye de monter directement. Ah, je sais plus. Je sais plus. Krogan, je crois qu'il a des très très bons ninjas. Donc au niveau de la combativité, Abelie, non. Avec Science, ça peut passer, mais là, non. C'est bon. C'est bon. Ok. C'est bon. D'accord. Alors, c'est pas quelqu'un de coup, je crois. Donc on fonce. Il est peut-être en mesure de faire quelque chose. Et je pense que là, il y aura plus de risque de subir l'inflammation de Ruiz. Donc je lance le main haut. Si on peut foncer à tout berzingue, là, c'est peut-être pas mal, non? Et je peux... Ok, là, tu m'avais qui. Il apporte un petit peu de soutien. C'est pas mal du tout. J'essaye de pénaliser un petit peu l'adversaire. Je pense que c'était une race et pas si pire si jamais on réussit à coller une immobilisation sur les race. C'est vraiment cool. Ok, parfait. La s'enchaîne et ah je sais plus avec si on qui est devant qui c'est une apostrophe. Alors, je pense qu'il gagne il y a la combativité de qui bon, je me rose dans le tas quoi. Qui est une idée relativement mauvaise hein, on va pas se mentir mais
Et... Allez. On donne tout. Je lance la Tsunade. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Ça veut dire que c'est une idée, à défaut d'être bonne. Allez, vous savez quoi? On a un mode feu d'artifice là. On lance littéralement tout ce qu'on peut lancer. Oh, c'est trop fort ça. Exceptionnel. C'est le choix qui nous a fait gagner la game. Ah, tu vois, il était malin à attendre. Attendre. En combo, etc. Et il aurait pu être dans une posture délicate. Après, là, on attaque quand même beaucoup, donc attention tout de même. Il a un montant de scaling assez incroyable. Ça peut nous jouer des tours cette histoire. Parce qu'il va commencer à claquer des autos. Ça va être compliqué quoi. Ok. C'est curieux, mais je suis un effet blanc 4, c'est peut-être un debuff de la Tsunade. Je sais déjà plus ce qu'elle fait, je l'ai mis une fois et puis plus. Zéro mémoire, mais il n'y a pas de problème, il n'y a pas de galère. Et c'est beau. C'est beau ce qui se passe. Est-ce qu'on peut grimper? Là, il y a J-Sensei. On va essayer de le faire. Hop! En plus, la Tsunade, ça fait un magnifique paratonnerre, je trouve. On peut laisser un petit peu les autres ninjas tranquilles de ma composition. Essayer de l'attaquer directement, ça fera une clé en or de plus. Des anxieuses, très bien. On peut se comprendre peut-être. Ok, j'ai réussi à lancer un ulti à choix. Ouais, vite. Et... Ah mais pourquoi tu lances pas tout de suite Pardon, excusez-moi, je commence à m'énerver. C'est l'émotion bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Ok, Joe Dive Boy, c'est parti. Toujours le paratonnerre, évidemment, le fichu. Attention, on va quand même donner une bienvenue de stats envers l'adversaire. Je vais éternuer. J'arrive pas à éternuer, très bien. C'est pénible quand on pense qu'on va éternuer, mais en fait non. On attend à ce que ça arrive et ça n'arrive pas. Ok, bon, je clique comme un fou avec Surendre. Alors,
c'est quoi, augmentation d'attaque, allez hop c'est parti. On esquive Fichui, peut-être pas tout de suite immédiatement. Et on va essayer de, on va essayer d'y aller comme ça dans un premier temps. Oula, qu'est-ce qui se passe? Oh, visiblement sûr, on n'affronte pas. N'affronte pas le bon adversaire. Il n'y a pas de problème. Pas de galère. Donc j'ai ciblé le Ashura puisque je me dis que c'est vraiment. Ce serait vraiment bien pratique qu'on élimine le Ashura le dès que possible. Pour diminuer un petit peu l'augmentation d'activation de poursuite de Shishui. Évidemment, chaque fois qu'il fait une poursuite, il fait une auto derrière. Pour un petit peu de calmer la bête. On n'a pas réussi à compléter, à voir directement un reset CD du côté du Ashura. Et j'envoie la Tsunade en mode paratonnerre. Que ça va faire quelque chose, on ne sait pas. Ok, je crois que l'esquive a été dépensée, donc je plonge avec le Gara directement. Ça permet notamment d'enchaîner les poursuites d'Ashura. Ok, parfait. On avait également un outil à Ashura qui était à notre disposition. J'appuie un petit peu. Voyez quoi là, non? Oh, là, il y a un micro. Oh, là, hop, il est là. Et je me transforme en diable de Tasmanie. Ok, on va essayer d'affronter Tyson. Évidemment. Ok. Ok, une composition assez. Oula, oula. Une composition qui peut faire peur. Une position qui fait peur en réalité. Ok. J'ai plus de. Okay. Oh, c'est pas vrai. Oh, la Tsunade qui revient. Ok. Donc la Shura, ils sont en mesure de lancer des poursuites. Vous savez quoi, je prends la machine de pack 3 tours. Ah, je pense que les statistiques de contrôle de la P4 ne sont pas suffisamment développées pour mon cas. On a beaucoup une base. Okay. Oh, on a dépensé ce qu'il dit. Ah, dommage. Ah, il y avait un petit peu trop de P4. Okay. Et donc là, on est obligé d'attendre. L'adversaire tout simplement avec le Todirama qui devrait faire 400 autos, ça devrait le faire. On s'approche mine de rien de la fin des opérations. Qu'est-ce qui se passe du côté de ce je tente de rafraîchir, allez, je tente de rafraîchir les Gong. Dans cette opération. Bras c'est quand même fort. Pas bien. C'est quand même puissant. Au même étage, tout.
Allez. J'ai pas réussi à... Je vais pas réussir à dépenser mes clés quoi. Parce que j'arrive pas à grimper. Je dépense une clé là. Ah non. Je vais pas réussir à dépenser une clé. Là. Pourquoi il y a lui pour la moitié de sérieux quoi. C'était le premier essai avec avec une Tsunade Orient comme ça. C'est quand même assez mitigé. Ok, nickel. Heureusement qu'il y avait un fichu dans sa composition. Ça m'a permis de... Ah, putain, non. J'essaye. Je donne tout, mais j'essaye. Il y a peut-être pas, mais... C'est nickel. Allez vite, on peut dépenser une clé à cet étage-là. Protection, c'était que du bonus, ok, nickel, let's go. Allez, vite, vite, vite. Il faut grimper. Je vous laisse tomber un peu ce cambre. Ah mais non, mais Moreno, oh. Il va bien. Ok, on coupe la recette. Peut-il le one shot? Auquel cas, bon. Si je peux enchaîner avec les coffres, c'est déjà ça. Voilà, parfait ça. Cool. Et allez, vite, vite, vite. C'est nickel. Ah, dommage. Dommage, dommage, j'ai pas réussi à fournir la dernière clé.
Et on va dire que c'est mieux que rien du tout. Au moins du côté de Sion, on a obtenu 1500 solaires. Et on se rattrapera au niveau des autres événements. Et au niveau des packs de quiz pour compléter ça. J'espère que la vidéo vous a plu. Et moi je vous dis à très bientôt.